Yo les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais vous montrer les voitures qui ont été saisies pendant le Top Marque Monaco. Elles sont juste derrière moi dans un parc privé. Donc je vais essayer quand même de rentrer ou au moins de vous les filmer parce qu'elles sont toutes visibles. Et vous allez voir, il y a de très beaux bébés. Alors pourquoi elles ont été saisies déjà ces véhicules? Parce que pendant Top Marque, ce qu'il faut savoir, c'est que la police ne rigole absolument pas. Mais vraiment absolument pas. La moindre accélération, le moindre bruit, le moindre rupteur, le moindre ce que vous voulez, c'est déjà 300 euros d'amende pour la première fois. Si c'est vraiment une très très grosse accélération, genre le mec il a fait un burn ou je sais pas quoi, là c'est saisi immédiatement. Mais sinon voilà, première amende c'était 300 euros et ensuite c'était directement la saisie pour la moindre connerie. Et sincèrement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que rappelez-vous en 2018, je vais vous mettre quelques images des débordements qu'il y a eu en 2018 pendant le Top Marque. C'était devenu, c'était devenu un peu too much, c'était devenu n'importe quoi, c'était devenu dangereux pour les propriétaires, dangereux pour les personnes qui venaient au Top Marque voir les voitures, les spotters également. Donc c'est pour ça, ils ont quand même bien fait de calmer le jeu. Vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, les arrestations sont peut-être un petit peu trop abusives, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a qui se sont arrêtés devant nous alors qu'ils n'ont absolument, mais quand je vous dis absolument rien fait, c'est absolument rien fait. Ils ont fait un peu de bruit parce que leur moteur de base fait du bruit, on est à Monaco, donc forcément les véhicules à Monaco, ça fait du bruit. Il y a des Ferrari, des Lamborghini. En gros, pendant le Top Marque le soir, vous baladez avec une Aventador, si vous ouvrez les valves, c'est mort pour vous, c'est 300 euros. Donc c'était un peu... Voilà, je suis un peu mitigé quand même sur la sévérité en tout cas des policiers, mais au moins là, les monégasques entre guillemets ont été tranquilles pendant le Top Marque, il n'y a pas eu de débordement. C'est le principal aussi. Heureusement la journée, ils ont l'air un petit peu plus tolérants, donc les gens peuvent rouler tranquillement. Puis voilà, de toute façon à Monaco la journée, il y a le bruit des travaux, il y a le bruit de la circulation, les klaxons, donc on va dire que les nuisances sonores sont continues. Par contre, pendant la soirée du Top Marque, c'est vrai que là, c'était très très calme. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, ça va peut-être nous permettre petit à petit de ravoir des... Salut, il y a un canard. De ravoir des Top Marques peut-être plus intéressants petit à petit, un peu moins kéké. Voilà, j'ai dit le mot, un peu moins kéké. Donc voilà, je vais vous montrer les voitures qui ont été saisies, vous allez voir, il y en a pas mal. Il y en a au moins une vingtaine sur ce parking-là. Apparemment, il y a un autre parking, mais je ne sais pas où il est. Et déjà là, il y a déjà quelques belles pépites. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Tout de suite, une fois que l'hélicoptère aura démarré. Allez, c'est parti. Bon, voilà le parc fermé. Vous allez voir quand même beaucoup de voitures. On commence par cette petite line-up là. Bon, vous avez forcément des caisses très typées Top Marque, genre CLS 63 MG modifié. Mais à côté, la voiture bâchée là, c'est une Carrera GT. Et j'ai filmé son arrestation. Je vous remets quelques images juste maintenant. À côté, on a même quelques monégasques hein, quand même, donc c'est pour vous dire vraiment, il n'y a pas de cadeau. Regardez, un Alfa Romeo monégasque, une Ferrari 812 Superfast monégasque, une AMG GTR monégasque. À côté, on a une très belle pista, je vais vous la filmer dans un autre angle
pour qu'on la voit mieux, mais c'est déjà pour vous filmer un peu la première line-up et encore une 488 juste après. Voilà, je vais vous la filmer du côté là, la pista, regardez. C'est quand même une grosse dinguerie. Bleu avec jante dorée, j'aurais bien kiffé du coup la spotter en extérieur, mais j'ai même pas eu le temps de la voir en fait. Qu'elle a déjà été saisie. Allez, on continue, regardez. F8 Maserati. Sous la bâche, je crois que c'est une RS5. Il y avait une M2 aussi, compétition orange. Une GT3 RS. Et là, juste en dessous, regardez. Audi R8. Vous savez quoi, je vais inventer. Putain, mais en plus, lui, je l'ai vu sortir hier de l'hôtel. Il a fait un petit rupteur. Bah, du coup, voilà. Voilà, son petit rupteur, bah, ça a payé. En plus, dans ma vidéo, j'avais dit justement, lui, il est foutu. Une Fiat Cupra, à mon avis, ça doit faire des retours d'échappement, donc ils n'ont pas dû apprécier. BMW M2. Il y a beaucoup de petites voitures sportives, hein, quand même. Hein. Fiesta ST. Une A35 avec des échappements modifiés, donc forcément, lui, il y est passé. Camaro, pareil. RS3. Il y a quoi après, là? Il y a des plantes, mais bon, du coup, je vais faire le tour. C'est pas grave pour vous les montrer. Mais je vais vous faire un autre point de vue. M4, Porsche, Lamborghini Urus. Il y a même le 4x4 un peu bizarre, là, que je vous ai déjà filmé. Je vais vous le remontrer d'un autre plan de vue. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il a pu faire lui, parce qu'il faisait pas de bruit, enfin ouais, c'est chelou. Merde, là je suis choqué, regardez. Celle-ci c'est un monégasque aussi, cette 458 je l'avais vue. Place du casino avec une peinture un peu spéciale. Alors jamais j'aurais pensé que lui se fasse saisir la voiture, parce que je n'ai pas du tout roulé, entre guillemets, fort. Donc c'est bizarre, c'est bizarre. Bon là par contre lui il avait déjà envoyé, avec sa Corvette 720 chevaux. Race car la plaque, ouais bon voilà, lui il était voué à terminer ici, il n'est pas venu pour rigoler. On a de la Subaru A45, monégasque d'ailleurs. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ce 4x4 là, regardez. Non pas le Lamborghini Urus de location en plus celui-là, c'est un de location, donc à mon avis la location va lui coûter très cher. Et à côté, c'est un espèce de 4x4, j'ai plus trop le nom, Asnom. C'est un truc qui a 10 exemplaires dans le monde. Je vois pas ce qu'il a pu faire. Et à côté, regardez les petits trios de BMW. En plus, il les garde bien, vous avez vu ça. Hein. M2, M2 compétition et puis une série 4 que j'avais déjà vu faire beaucoup de retours d'échappement. Donc bon, ça me surprend pas qu'il termine ici. Cayman GT4 Martini allemand. Bon, ça aussi, il a dû faire un peu de bruit, mais le problème, c'est un véhicule qui fait déjà de base du bruit, donc s'il est passé le soir, c'est sûr qu'il était mort. Waouh! Alors là, on a une belle pépite en plus. Hein. Giulia Alfa Romeo GTAM. C'était la première que je voyais. J'ai filmé son arrestation aussi. Je vous mets quelques images maintenant. Ils sont morts, eux. Oh, les cons! Allez, à la fourrière. Donc voilà, une GTAM Bordeaux. Elle était d'ailleurs avec cette GT3 RS, en fait c'est... Bon, les deux là, ils ont fait un peu les cons en même temps. Ils sont arrivés en drift quasiment dans l'épingle à Monaco. Donc entre guillemets, bon, ils l'ont cherché. En plus, la communication a été faite pendant le Top Marque et même avant le Top Marque, comme quoi la police a été très très sévère. Donc je pense pas qu'ils soient passés à côté de ces informations. Je pense qu'ils ont voulu jouer avec le feu. Malheureusement, ils ont perdu, tant pis pour eux. Ça c'est très surprenant, une S65 AMG. C'est un véhicule qui fait pas de bruit. Vraiment pas de bruit, c'est un V12 et c'est surtout une caisse de chauffeur. Donc ça c'est surprenant de voir ça à la fourrière. Je vois pas ce qu'il a pu faire. À mon avis c'est plutôt excès de vitesse qu'autre chose parce que ça me surprend. Ouais, il y a une M2, elle est très noire, très 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 noire. Regardez, capot carbone, phare noir à l'avant, plaque noire, full vide teinté. En plus c'est interdit les vides teintés à Monaco. Donc lui, ça se trouve, il s'est tout simplement mis ici pour ses vides teintées et peut-être pour un petit peu trop de bruit. Surprenant aussi, regardez, Maserati MC20. Maserati MC20. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, c'est une concession, j'ai l'impression, il y a de la publicité sur le côté. Elle est toute neuve, l'auto. Elle est vraiment très belle, hein, au passage, la Maserati MC20. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette Maserati MC20. Porsche Boxster. Cette 812 là, je l'ai vu hier soir
avant de faire cette vidéo, c'est un Anglais, il venait d'arriver à Monaco, il a fait une légère accélération dans le tunnel. Je me suis dit, lui, il est mort, bah, ça n'a pas payé. On le retrouve ici même à la fourrière de Monaco, la fourrière entre guillemets sauvage. On a de la Subaru. Là, on a des véhicules, vous allez voir un peu... Bonjour. Donc, je disais Subaru. Une Audi S4 ukrainienne d'ailleurs. Et là, c'est un peu surprenant, regardez. Il y a deux Alfa Romeo, des petites mythos. Avec des échappements un peu modifiés, donc à mon avis c'est des petits jeunes qui se sont amusés aussi, qui ont voulu jouer un petit peu avec le feu. Donc voilà, mais vous avez vu, il y a encore de la place, hein. Il y a encore de la place, il reste un jour complet de Top Mark. C'est pas dit que ça se remplisse un peu plus sur cette fourrière là. Donc voilà les amis, si s'achève la vidéo concernant les arrestations pendant le Top Mark Monaco. Il y en a quand même eu quand même beaucoup, malgré que la police, comme je vous ai dit, avait vraiment prévenu sur les réseaux sociaux, même le Top Mark lui-même avait communiqué là-dessus. Mais on a, voilà, qui ont sûrement voulu jouer avec le feu. Il y avait d'autres arrestations limite, hein, faut le dire, c'est limite. Il y a quelques voitures, notamment la Carrera GT qui se retrouve ici un peu pour rien. Je vous ai mis la vidéo, vous avez vu, il a fait un petit peu de bruit en soirée, une petite accélération de rien du tout. Il a dû faire un zéro, aller à 40 km/h, et la police, bah bam, ça pardonne pas, même si c'est un monégasque. Ils lui ont dit, toi, ta voiture, c'est 5 jours à la fourrière. Donc imaginez bien les gens là, dans ces gens là il y a bien des personnes qui étaient venues à Monaco peut-être pour une journée, ils se retrouvent à se faire saisir leur voiture pendant 5 jours. Ça leur fait un hôtel à prendre pendant 5 jours ou un billet de train pour rentrer chez eux aller-retour. Je pense que le Top Mark va leur coûter cher, parce qu'en plus, tout ce qu'il y a là, il faut payer pour récupérer la voiture. Il faut payer le gardiennage. Donc c'est pour ça, pendant le Top Mark, les amis, ne jouez pas avec le feu. La journée, vous pouvez rouler tranquillement, mais le soir, fraîchement, les gars, restez tranquille. Vraiment, restez tranquille. Parce que c'est dommage, ils arrêtent tout le monde, même les monégasques. Après, voilà, ils font leur boulot, c'est leurs ordres, c'est les ordres qu'on leur a donnés. Je comprends aussi par rapport au débordement qu'il y a eu en... Bon, je vais me prendre une plante. En 2018, c'est tout à fait normal ce qu'ils font aussi. On ne peut pas dire... Ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de faire ça. C'est bien qu'ils fassent ça. Après, voilà, il faut peut-être un petit peu doser au niveau des arrestations. Vraiment arrêter les personnes qui font vraiment du gros bordel. Et pas non plus toutes les personnes qui font un peu plaisir aussi aux car spotters. Sachant que toute l'année à Monaco, ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures peuvent rouler librement. Il n'y a pas de souci. Même si vous faites des petites accélérations, etc. À Monaco, tout le long de l'année, en général, ils ne vous font pas trop chier. Là, c'était vraiment la chasse pour la police, tu vois. Ils ont joué un peu au cow-boy, mais bon, comme je me répète, ils font leur boulot, ils le font bien, donc voilà, je respecte. J'ai pas d'avis. Je vais pas dire ils ont raison, ils ont pas raison. Moi, je pense quand même qu'ils ont quand même un peu raison de faire ça, comme je vous ai dit, pour calmer le jeu par rapport au dernier Top Mark en 2018. Ils n'avaient pas le choix parce que ça allait déborder. Ça avait déjà débordé, et franchement, ça aurait pu, il aurait pu y avoir une bavure. On n'était pas loin des accidents. Ils auraient rien fait, je pense que là, ça aurait pété dans tous les sens, il y aurait eu des accidents et compagnie. Donc non, franchement, quand même, ils ont eu raison de faire ça, et en fait, ils n'avaient surtout pas le choix de faire ça. Donc voilà, pouce bleu les amis si vous avez kiffé cette vidéo, et à très très bientôt pour notre aventure. Ciao.